You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour ce 4e épisode de notre aventure sur Prey. Très content de vous retrouver. On est enfin parti, donc direction, vous le savez, l'atelier du docteur Calvino. Et puis le plan de fabrication Artax qui va nous permettre d'avoir des propulseurs sur notre combinaison. Et ce qui va nous permettre bien sûr de faire des sorties spatiales, des sorties extra... vaisseau, je sais pas comment on peut dire, des sorties extérieures, voilà, c'est le principe d'une sortie. Par contre, j'aimerais vraiment trouver de quoi faire des neuromodes, voilà, parce que il nous en faut pour beaucoup de choses. J'ai un petit peu regardé, hein, que ce soit pour les différents types de piratage. Médecin, c'est peut-être un petit peu moins dérangeant pour le moment. Par contre, on peut constater ici, voilà, tout ce qui est réparation, impact calibré, encore c'est pas bien important, désassemblage, armurier, force physique. Voilà, les forces physiques sont quand même importantes. Soulever facilement des objets lourds pour les lancer plus loin et infliger des dégâts aux ennemis, ça c'est quand même assez exceptionnel. Il y a moyen de faire des moves de folie. Et puis côté sécurité également, hein, transcendance, vous entrez dans un état de transcendance pendant 10 secondes, le temps ralentit et vos actions consomment 50% d'endurance en moins, c'est juste légendaire. Les attaques furtives, j'avais vu également robustesse, endurance et surtout il y avait discrétion, furtivité, voilà, marcher et courir sans faire de bruit, voilà, tout ce genre de choses. Il nous faut énormément de neuromodes et franchement les trouver c'est compliqué, donc vraiment ce serait chouette qu'on puisse en fabriquer incessamment sous peu. Allez, c'est parti, direction l'atelier du docteur Calvino. Qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais même pas pouvoir y aller, voilà, on s'est bien fait carotte, on ne peut toujours pas y aller, donc on va devoir trouver une solution. Tuyau en plastique, et voilà. Et voilà, on a besoin de la force, messieurs, dames, pour, pour pouvoir déplacer ces caisses. Voilà, c'est impeccable. Comment faire pour passer si on ne peut pas soulever les caisses? Ah là 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 là. Justement, je vous parlais du problème des micropuces là, et ben voilà, ça va être la galère. Alors, il va falloir qu'on passe par là, mais on ne peut pas à cause de l'électricité. Alors, On va se détendre là, je viens de me prendre un dégât, j'ai rien compris. Alors écoutez, c'est pas grave, on va utiliser, on peut se faire plaisir, hein. On a 6 kits de secours, donc je vais directement l'utiliser, voilà. Et du coup j'ai compris, on va ici désactiver, alors comment ça fonctionne, je ne sais plus, voilà. On va éteindre le disjoncteur et donc ça va nous permettre d'accéder. Oh bien ça. Attends, portée, c'est quoi ça? Ça sert à rien ça. Là je peux réparer mais je ne peux quand même pas. Porte non alimentée. Ah mais donc je peux quand même pas ouvrir cette porte non plus. Non mais c'est incroyable. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Porte non alimentée. Ouais, si les portes sont pas alimentées, on pourra pas faire grand chose. Alors on a encore un accès là-bas. Voyons voir cet accès ici. Alors je vais prendre le canon glu pour calmer le feu. Ok. Voilà, ça va se calmer. Porte non alimentée. Oh, il y a de la dinguerie là-bas aussi. Donc on va y aller. Ressort rouillé. Waouh. Magnifique, cela dit. Oh, Aim Schmidt. Nouvelle carte d'accès. Voilà. Impeccable. Charge recyclante, c'est qu'est-ce qu'on vient de récupérer là? Elle décompose la structure moléculaire des objets à proximité en explosant, les transformant ainsi en matériaux recyclables. Votre uniforme vous en protège dans une certaine mesure, mais ne vous immunise pas totalement. Être à proximité de la détonation peut s'avérer dangereux. Les charges recyclantes peuvent être lancées à des objets fixes. Mais attendez, ça sert à quoi? Les transformant en matériaux recyclables. Donc c'est juste une charge recyclable. Ok, ouais, c'est un recycleur. C'est un recycleur explosif en fait. Bon, pas très utile pour le moment puisqu'on a déjà un recycleur à côté. Ok, bon, on va ralimenter le courant. De toute façon, on n'a pas le choix pour pouvoir ouvrir la porte juste là. Hop, la glissade. Voilà, on va réalimenter tout ça. Voilà. Déjà, on y verra plus clair. Et on va du coup pouvoir passer par là. Et la carte d'accès, je pense, va nous permettre d'ouvrir là-bas.
à moins que elle ouvre ici. Non, elle ouvre ici. Ok. On va essayer d'être furtif. Labo balistique. Bon, en vrai, on va y aller directement à la machette. Et du coup, est-ce que j'ai moyen de les attaquer avec ça? Je vais essayer de les attaquer avec ça. Bah alors? Eh bah alors, bande de nulos? On se sent un peu con? Hein? On se sent un peu nul? Ok, bon bah écoutez, on va pouvoir explorer tranquillou bilou. Matériaux synthétiques, ça régale. Le petit télescope, ça dégage. Hein. Les scientifiques, ça va 2 minutes. On a 2 emails. Substance inconnue. Lily, j'étais en train de tester la charge recyclante, justement, quand quelque chose de bizarre s'est produit. J'ai placé le matériau source dans la chambre, comme d'habitude, et j'ai déclenché la charge. Il y avait quelque chose dans le produit. Quelque chose que je n'avais jamais vu. Une substance violette, presque organique. Peut-être que quelque chose a contaminé le matériau source. Je ne sais pas quelle est la procédure dans ce cas, alors j'ai placé la substance inconnue dans le coffre en attendant. On m'a dit qu'il vous fallait un nouveau plan de fabrication de charge recyclante. Il se trouve justement que j'en ai un dans mes quartiers. Rappelez-le moi d'ici et le prochain tour de garde, je vous l'apporterai. Ok, par contre, il me manque un code. Mais c'est pas grave. Je peux pirater le bazar. Allez, c'est assez simple ici. Et hop! Piratage réussi. Impeccable. Et nous avons donc les matériaux. Ça régale. Ok. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais juste vous dire un truc. Oula, je sais, je bégaye. Je bégaye d'excitation. Je vais juste vous dire un truc très sincère. C'est que là, cet épisode, je le tourne à la suite des derniers. Mais ça fait 3 ou voire 4 heures que j'ai pas joué là. Et ça m'avait manqué. Voilà, ça fait longtemps qu'un jeu ne m'a pas fait ça, que j'ai hâte d'y rejouer. C'est incroyable. Et vous voyez, je peux pas déplacer la grille non plus. Non mais sérieusement là, on va jamais y arriver, il me faut des neuromodes là. Hein. Il me faut des neuromodes. Hein. Force physique 1, il m'en faut juste un en plus. C'est ça, il faut force physique 1? Ouais c'est ça, il m'en faut juste un. Faudrait trouver un neuromode. Alors Là s'il y avait un neuromode là, ce serait juste génial. Charge recyclante. Chambre balistique. Ouvrir la chambre. Ah non. Bah je voulais pas faire ça mais c'est pas grave. Allez venez voir. Venez voir la racaille là. Voilà. Hop hop hop. Glissade. Voilà viens voir. Et voilà. Hop. 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 Eh. Tu dégages. Merci. Et ce qui est cool aussi, c'est que là, je peux récupérer... je peux tout récupérer. Oh, une poubelle. Il me faut un neuromode, s'il vous plaît. Ce serait cool. Ça me ferait très plaisir. Vraiment. Peut-être dedans. Forçage manuel. D'accord. Et à quoi sert ce truc? Ils ont voulu expérimenter des choses. Attendez, l'autre cadavre. Ok. Tumeur. Ok. Y a rien, ça m'énerve. Material yields. Matériaux organiques. Ah, date de l'incident, 21 octobre 2034. Une charge recyclante a explosé près de mon pied. Ouais, donc ça, c'est l'incident dont elle a parlé dans le mail. Et on a rien d'autre là? Sceller la chambre. Voilà. Synthé cube. Et là, on peut faire encore autre chose. Libérer la charge recyclante. Oh waouh! Ah j'aurais pas dû les libérer en fait. Ah quoique. Matériaux minéral. Oh! Ça nous permet de voir l'utilité de cette fameuse grenade recyclante. Ah là là, et ça transforme. Bon c'est vraiment top. C'est vraiment top. Mais c'est pas ça qui va nous aider à avancer actuellement. Mais vraiment. Ça m'ennuie à un point. Comment je vais faire? Il me faut juste une... En fait, il me faut tellement de choses. Là, je suis un peu perdu. Ça, je peux pas ouvrir. Eh ouais. Eh ouais, il y a quoi là? Ok, l'électronique pratique, on avait déjà vu.
Je peux pas ouvrir la carte là. Enfin, j'ai pas la carte pour ici. Non, j'ai pas. Docteur Lorenzo. Putain, alors il me manque des trucs. Et puis là, comme dit, il me faudrait juste la force physique. C'est tout ce qu'il me faut. Il me faut juste une force physique. Oh, je vais péter un plomb. Il me faut juste la force physique. J'ai pas de neuromode là. Je préfère vérifier des défauts qu'on sait jamais. Ok. Ok, j'ai compris. Alors là, il aurait fallu que je puisse réparer, mais je peux pas non plus. Et si je passe, à mon avis, non, mais ça sert à rien que j'essaye. Je vais me faire goumer. Est-ce qu'on avait tout vu au moins, en vrai? En vrai, mais non, on n'avait pas tout vu. Attendez. Bon, là, il y a un pistolet. J'ai déjà un pistolet, de toute façon, on s'en fout. Là. Bah voilà, on peut pas y aller encore parce qu'on n'a pas la combinaison. Typiquement. Alors on va revenir en arrière, messieurs dames. On va revenir en arrière, c'est malheureux mais c'est réel. À moins que... Attendez. Attendez. Hep, 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 hep. Parce que oui, on est allé là. Eh, mais bien sûr. Attendez, bien sûr. Bien sûr, on peut passer par là. Bien évidemment. Let's go, j'avais oublié. Ça je prends par contre. Oh mais ça respawn en fait, c'est cool. On va passer par là bien sûr, j'avais complètement oublié. Voilà, bonbonne explosive. Je la prends. Quand on veut connaître les mécanismes, je vais l'acheter là-bas. Il faut le démonter. Alors. Ok, là on a un truc corrompu là. Ah, il y en a même deux. Fort ennuyeux. Si je vais là-bas. Enregistrement de l'autodiagnostic. Voilà, c'est par là que j'aurais dû rentrer. Donc jusqu'ici tout va bien. Je peux descendre par là. Ouais, absolument. Absolument. Waouh. Ok. Oh non. On va tenter de descendre par là sereinement. Est-ce que je peux... Voilà, je peux passer par là. Ok. On va passer ici tranquille. Ah, il y a de la radioactivité. Superbe, il y a de la radioactivité. Ah bah oui, tout à fait. Donc c'est peut-être pas le meilleur des plans. Bon bah... Pas le choix, faut y aller. Pas le choix. Évidemment, c'est quand je descends que l'autre il arrive. Bon, ils sont que deux en vrai, hein. En vrai, ils sont que deux. Hein. C'est pas... C'est pas non plus... la mer à boire. Allez, on va se les faire. On va se les faire. Ok, tu l'as vu lui? Oh, le câble. Oh! Aïe! Ok. J'en ai eu un. Bon, le deuxième, il est pas en alerte. Ok. Oh wesh! Il sort d'où lui? Allez, meurs. Voilà. Attention, ça pète! Ah, c'est ça le problème. J'ai pas le temps de m'enfuir. J'ai pas le temps de m'enfuir. Bon, au moins là c'est bon, je suis safe. Panneau d'accès de maintenance. Oh waouh. Ah voilà, superbe. Pièce détachée. Bon là je peux toujours pas ouvrir, hein, évidemment. Donc là c'est l'accès. Ok, bon bah c'est bon à savoir. Du coup on va juste manger un coup. Alors pas les trucs de soins, hein, mais on va manger. Est-ce qu'on a des trucs à manger au moins déjà? Gants de baseball. Non, on a rien à manger en plus. Formidable, puisque j'ai tout dégagé. Mais c'est très bien. Allez, on va. Oh, c'est une blague. Il y en a encore. Arrête. Ça va que j'ai encore des munitions dans le canon glu. Le canon glu en vrai il carie, hein. Il carie de fou. Voilà. 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 J'ai jamais le temps de me barrer mais bon. Est-ce qu'on peut casser ça? Non, on peut pas. On récupère. Ah, pourquoi je peux pas récupérer ça? Désassemblage requis. Oh là, on va jamais y arriver. On n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut.
Bon, la suite est ici, il faut que j'appuie là-dessus. Ça, c'est doté d'un verrou manuel qu'il faut désarmer avant de pouvoir sortir. Ce système conçu par mesure de sécurité n'a plus aucune utilité lorsque l'ennemi est déjà dans la station. Si vous sortez, n'allez pas trop loin, car les typhoons pourraient déjà avoir atteint l'extérieur. Et n'oubliez pas, les autres sas que vous croiserez devront avoir été au préalable déverrouillés de l'intérieur. Une dernière chose, votre combinaison n'est pas encore équipée d'un propulseur. Vous en aurez besoin pour vous déplacer. Je n'ai pas oublié la leçon, pas de problème. L'ingénierie appliquée, extrait du journal de bord de l'ingénieur Clive Lawrence. Ok. Les emails. Là, c'est l'arbalétrière. Ok, c'est pour rigoler. Pièce d'opérateur manquante et défaillance du fabricateur. Très bien. Ok. Donc là, j'imagine. Est-ce que je peux ouvrir d'ailleurs? Ah, bah voilà. Voilà, voilà. Bon, mais ça régale. Et je sais pas combien de fois je vais mourir. Bon, on va dire que c'est une petite sieste. Hein. C'est pas non plus incroyable. Hein. C'est pas une fin en soi, heureusement. Ah, c'est terrible. Quoi? Attends, on est où là? Non. Non, me dis pas que je dois recommencer. Oh putain. Faut que je recommence là, vraiment? Là, on vient vraiment de commencer un épisode dans le vide. Oh, c'est terrible. Bon, écoutez, on va se la faire vite fait, bien fait, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je gère la fougère. Maintenant, on sait ce qui nous attend. Ah, oh, c'est débile. Ah, oh, c'est débile. Oh, c'est tellement con. Hop. Et hop. Et en plus, la tourelle... Bah, je peux pas la réparer, de toute façon. Hop. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Voilà, je suis foutu. Bah, il est pas mort. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Et de un. On va recharger quand même. Le petit deuxième. Voilà. Excusez-moi si je parle pas. Voilà. Et le petit dernier. Voilà. Arrête. Voilà. Bon, moi j'ai évité les... J'ai évité les soucis. Attention, c'est radioactif ici. Alors attendez, parce que du coup là je peux voir statut, dégâts de la combinaison. Ah voilà. Et bien heureusement que j'ai ce qu'il faut alors. Gant de baseball, non, nanani nanana. Pièce détachée. Utiliser cet objet sur une arme, non toujours pas. Recharge glu. Je peux même pas réparer ma combinaison, c'est moche hein. C'est moche. Bon, du coup on va pas retourner là, j'ai compris, sinon on va mourir. Commande du convoyeur. Ok. Pas mal. Qu'en dites-vous? Oh bah il vient de se casser la gueule. Oh, il y a du mimique. Il y a du mimique qui a spawn. Ok, il y en a qu'un seul. Non, il y en a plusieurs. Ah, oh, fais chier. Parce que là ma santé est pas bonne, j'ai pas envie de mourir là. Ok. Ok. Paralysé. Impeccable. Ah, je commence à... Je commence à gérer là. En vrai. Mais je vais peut-être arrêter de gaspiller mes trucs là. Donc ça, on avait lu l'email. Je vais juste réactiver la scène du téléphone, voilà. Chaque sas est doté d'un verrou manuel qu'il faut désarmer avant de pouvoir sortir. Ce système conçu par mesure de sécurité n'a plus aucune utilité lorsque l'ennemi est déjà dans la station. Si vous sortez, n'allez pas trop loin,
car les typhoons pourraient déjà avoir atteint l'extérieur. Et n'oubliez pas, les autres sas que vous croiserez devront avoir été au préalable déverrouillés de l'intérieur. Une dernière chose, votre combinaison n'est pas encore équipée d'un propulseur. Vous en aurez besoin pour vous déplacer. Ok. Attends, j'ai un code à craquer là. J'ai un code à craquer. Hop là. Mince. Voilà. Oh ! C'est pas vrai. Attendez, parce que là j'ai plus de santé en vrai. Donc je vais juste éviter de faire le con. Voilà, kit de secours, ça régale. T'es où mon gars ? Ouais, mais si tu disparais aussi, flemme. Voilà. Merci. Bon, j'ai compris, hein, je peux faire des grosses attaques en appuyant longtemps, ça marche super bien. Mais bon, faut quand même bien gérer ça, quoi. Allez, on récupère les pièces. Là, je ne peux rien faire. Je peux grimper, ça sert à rien. Les lavabos pour la santé, très bien. Ok, ça pète de partout, c'est incroyable. Neuromode, let's go. Alors, va falloir faire un choix maintenant. Modificateur d'armes, note. Clive, il faut améliorer la vitesse de rechargement du canon glu. Ça va. Recharge glu, oh yes, parfait. Par contre, voilà, j'ai deux neuromodes. Il va falloir faire un choix. Puisque là, il me demande réparation 3. Ah ouais, non, mais là déjà, réparation 3, frère, je ne peux pas. Réparation 3, je ne peux pas. Voilà, il m'en faut 8. En plus, il faut d'abord réparation 2. Non, ce qu'il me fallait, c'était quoi? C'était pour déplacer, non? Bon, on va pas faire de conneries pour le moment. On va juste s'occuper de lui. On va essayer de le prendre à revers. Ça peut être pas mal. Voilà. Comme ça, tu vois, c'est pas mal du tout ça, ce qui se passe. C'est pas mal du tout. Ah, j'ai un troisième neuromode. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà, c'est la plateforme qu'on a fait tomber. Les plans de fabrication Artax, il est juste au-dessus, là. Faudrait que je puisse monter. C'est gigantesque. Bon, alors là, attention. Ah! Ah, voilà. Voilà. Impeccable. Bonjour, je viens de faire le tour, ça servait à rien. Impeccable. C'est impeccable. Attendez, je viens de rater la porte là vraiment? On peut pas rentrer là? Non, on peut pas grimper. On peut pas monter, par contre on peut peut-être grimper. Alors, va falloir arrêter de se foutre de ma gueule. Hein. Voilà bébé. Alors, et en plus on a le droit à un recycleur ici. On a droit à un recycleur et un fabricateur. Magnifique. Bon, on peut toujours pas fabriquer de neuromodes. Fléchette. Je prends, je vais recycler ça. On a deux dossiers là. L'arbalétrière. Vas-y. Fléchette pour arbalétrière. Vas-y, hein, on s'en fout, mais on va prendre quand même. Voilà. Au niveau des emails. Danger, radiation. En effet, je m'en suis rendu compte avant. Très bien. Oh. Merci bien. Qu'avons-nous là? Pas grand chose. Guide de l'uniforme de Transtar, qui a été conçu pour vous apporter sécurité et confort tout en facilitant votre travail. Vous devez le porter à tout moment lorsque vous êtes à bord de la station. Bien que tous les efforts aient été faits pour faire de Talos 1 un lieu de travail sûr et agréable, ah bah oui, le risque d'accident est toujours possible. Les missions incombant à chaque département peuvent être déterminées par le style et la couleur de l'uniforme. Marron et noir, c'est tout ce qui va être administratif et entreprise. Vert et blanc, c'est tout ce qui va être science et technologie. Orange, tout ce qui est ingénierie et maintenance. Bleu et noir, sécurité. Très bien. J'ai pas fait gaffe de quelle couleur était notre combinaison. Efficacité des fléchettes. Désolé pour les fléchettes éparpillées dans l'atelier de mécanique. C'est le seul endroit où je peux tester ce nouveau flingue. Et satellite du département. Très bien, ok. On va se faire des petites blagues entre collègues. Et on vient de récupérer le système de propulsion gravitationnelle, en tout cas le plan. Et donc ça, c'est parfait. En plus, il nous donne, je crois, tous les matériaux nécessaires. Et donc là, je n'ai plus qu'à aller ici. Et à trouver le voilà, système de propulsion Artax. Et j'ai tout ce qu'il faut, sans aucun problème. Voilà le deuxième gadget que l'on débloque
Oh waouh. Maintenez espace lorsque vous tombez pour planer ou ralentir votre chute. Oh. Oh ça va être superbe. Oh ça va être superbe. Mais d'abord, il est l'heure de faire du tri. Voilà, tout ça en vide. Cartouche de mousse, recharge le canon glu. Ouais, à chaque fois je me fais. À chaque fois je suis sur le point de le jeter, mais il faut surtout pas. 3 neuromodes, c'est impeccable. Et modificateur d'armes. Ah, et j'ai le pistolet en double. Non, j'ai pas un deuxième pistolet en double. Attention tout de même, hein. Non, même pas. Ok, j'ai pas de pistolet en double. J'avais cru. Très bien, bah ce sera pas mal. Ce sera pas mal du tout. Bon, bah c'est chouette. On est à la cool. Mais on peut toujours pas fabriquer de neuromode et ça m'énerve. Eh oui, on peut toujours pas. Par contre, on peut refaire des recharges glu. Et ça, franchement, en vrai de vrai, les recharges glu, même si on en trouve pas mal, je dis pas non. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est quand même, voilà, là j'en ai 300. Boum. Là j'en ai 384. C'est quand même du luxe. Et si je peux me faire des balles de 9 mm, ce serait pas de refus non plus, tu vois ce que je veux dire. Là on va commencer à être Gucci, les amis. Là on commence à être bien. Et là le jeu commence à me plaire davantage. Allez, je claque tout, j'en ai rien à faire. Impeccable. Voilà, bon là on a une bonne centaine de balles. Ça c'est impeccable. Et là il y a une plateforme. Alors tu veux que je plane jusqu'à la plateforme. Voilà. Impeccable. Franklin God. Charge IEM. Objectif terminé. Oh, je pense que je peux planer jusque là-bas du coup. Oui, absolument. Ok. Bon, y a pas grand chose à récupérer en réalité. Alors. Ok. Stand clear. Donc je dois pas aller là évidemment. Ben voilà, Docteur Lorenzo Calvino, on va pouvoir y aller, messieurs dames. Ça y est, nous y sommes, nous y est. On appuie sur le bouton, verrou interne, sas vers laboratoire technique, déverrouillé. Talos 5 comporte de nombreux sas menant à l'extérieur de la station spatiale. Donc ça va être le début des embrouilles, tout simplement. Rejoindre extérieur de Talos. Allez, on va faire notre première sortie spatiale. Nous quittons la station. Pour rester à ses abords, évidemment, je pense que je vais mourir. Je sais pas pourquoi, mais là, je me vois mal. Je sens que je vais rejoindre la planète Terre. Ça y est, on y est. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, mais là, c'est incontrôlable. Microgravité. Votre combinaison Transtar est équipée d'un système de propulsion. A et E pour freiner. Très bien. Ok, je vais essayer. Ok, ça, j'ai compris. Ah ouais, d'accord. Ah ben oui. Oh, ça va être complexe. Oh, il n'y a plus deux à l'endroit et deux à l'envers là. Ah là, on est dans l'espace. Hein. Ça y est, on y est. Oh mon dieu. Ok. Cadavre humain. Superbe. Superbe. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Non. Fret. Oh, du coup, je peux les jeter. Waouh, c'est stylé. Ok. Je pars là? Ah oui, en effet, attention. Ce serait dommage. Je suis censé aller où en fait? Objectif. Donc, au moyen d'un miroir d'une manière obscure, trouvez la carte d'accès de l'atelier du docteur Calvino. Et entrez dans l'atelier. Bah oui, parce qu'on sait toujours pas d'ailleurs comment y rentrer. Voir sur la carte. Laboratoire technique. Ah oui, je veux bien. Laboratoire technique. Bah c'est là le laboratoire technique, hein. Je suis pas censé partir en fait, hein. Cargo Bay, SAS central. C'est très stylé mais ça me fait peur. On peut aller sur la lune genre? Oh, j'ai trop envie d'essayer une fois. On essaiera une fois d'aller sur la lune, voir si c'est possible. Mais je pense que j'ai pas à sortir là. Faut que j'aille dans l'atelier du docteur Calvino là.
Il n'y a pas le choix. Hein. Hop. Très stylé en tout cas cette petite sortie. C'était très stylé, voilà. Comme ça on sait qu'on pourra le faire. Ça nous permettra d'aller d'un point à un autre par l'extérieur tout simplement. Ce qui est parfois plus pratique. Hop, on valide. C'est impeccable. Docteur... Ah non mais il veut vraiment que j'aille... Il veut vraiment que j'aille quand même là-bas? Attendez, laissez-moi comprendre. Voilà, voir sur la carte. Il faut que j'aille là, moi. Hein. Atelier du docteur Calvino. Mais pour ce faire, il faut que je trouve une carte. Il faut que je trouve la carte extérieure de Talos. Ouais. Absolument, trouver la carte d'accès. Le docteur Calvino se trouve dans le corridor qui dérive à l'extérieur de la station. Ah, mais purée! Ouais, mais si j'écoute pas aussi... Ah, je suis désolé, mais si j'écoute pas ce qu'on me dit, je comprends parfaitement. Je dois vous frustrer, les amis, je suis absolument navré. C'est le cadavre, à mon avis, qui doit voler là-bas. Donc on va aller le récupérer. Voilà. Allez, c'est parti, on y va, ni vu ni connu. Décidément. Petit aller-retour inutile, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On avance, on s'élance. Cadavre humain à 100 mètres, on y va direct. Là je me prends tous les obstacles. Oh, regardez la planète Terre. On voit les États-Unis. Enfin l'Amérique en tout cas. Ok. Et c'est ultra perturbant. Ouais, il y a plusieurs cadavres en fait. Donc il va falloir trouver lequel est le bon. Ah oui, il y en a plusieurs. Bon bah c'est pas lui. Mais je récupère des trucs sympas. Oh c'est flippant. Hein. C'est flippant. Donc là-bas le sas est verrouillé, donc ça sert à rien d'y aller. Bon, l'avantage c'est qu'il nous dit s'il est verrouillé ou pas, donc c'est cool. Bon, tous les sas sont verrouillés normalement. Hein. Il y a que celui-là qu'on a ouvert. En réalité. Alors on va essayer d'aller au cadavre là-bas. Oh. Là il y a une porte. Talos 1, il y a une porte. Fort ennuyeux. Est-ce que vous croyez que je peux l'ouvrir? Oh. Magnifique. Alors attends, là je me concentre à fond. Allez, meurs. Alors attends, j'ai pas l'impression qu'il puisse m'attaquer de ouf. Voilà. Ah, en vrai, ça a l'air mieux dans l'espace de les affronter. Ça a l'air pas mal. Alors. Waouh. C'est gigantesque. C'est gigantesque, on va se perdre, hein, je vous le dis. Panneau d'accès maintenance. Il est où le cadavre que je cherche? Il est là. Ok. Qu'avons-nous là? Canon à rayonnement. Oh, on a une nouvelle arme. Incroyable. Canon à rayonnement Q tire un rayon hautement concentré de particules instables causant l'explosion de sa cible. Ah ouais. Oh bah là les gars, vous êtes finito. Hein. Là vous êtes finito. Et c'est qui lui? Aria. Ok. Ok. Magnifique. Bon, vous avez vu le truc dehors là qui m'a attendu là? Alors j'aime pas trop. J'aime pas trop. Par contre cette arme est incroyable. Mais va falloir l'utiliser quand même à bon escient. D'accord? Va falloir l'utiliser à bon escient. Cadavre humain trouvé 38 mètres. Oui mais j'ai déjà trouvé, c'est bon. Ah, il le met entre parenthèses que je l'ai trouvé. Ah, c'est superbe. C'est superbe. Ok. Là on peut ressortir par là. Bah il y a le gros titan qui m'attend là. À mon avis. Attendez, on va essayer de le faire péter là. Il doit être par là, je pense. Il est là.
Allez, j'y vais. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Je peux plus contrôler. Ok, c'est bon. Donc là, je vais juste me remettre un petit coup de la santé parce que mine de rien, ça va vite. Bon, normalement, il peut pas passer dans ce petit trou et ça, c'est pas mal. Oh la vache. Allez. On rentre. Ah merde, j'ai peur qu'il puisse passer en fait. J'ai peur qu'il puisse passer. Ah le bâtard. Ah il lui reste. Oh non. Oh non. Oh non. C'est injuste. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur l'inventaire, c'est injuste. Oh sérieusement. En plus j'étais pas loin de le fumer là. Enfin, il était pas loin d'exploser visiblement. Ah c'est dommage. Alors par contre ce qui est davantage plus dommage, c'est là où il me fait recommencer. Là il va vraiment me refaire commencer là. Ah ouais, faut que je... Non ça par contre c'est terrible. C'est absolument terrible. Donc là il faut que je récupère de nouveau tout ça là. Oh là là, c'est terrible. Voilà. Ça c'est plutôt pas mal. Cadavre humain, il y en a un là aussi d'ailleurs. Ok. J'arrive. J'arrive bichette. Opérateur ingénieur. Oh. José Costa. Non, rien de bien incroyable. C'est gentil ça. Oh magnifique, merci mon gars. Merci mon gars. Déplacement. Ok. Attendez, je suis perdu, je vais essayer de retrouver mon chemin qui devait être par là. Alors j'évite de rotationner droite-gauche hein, parce que ça me permet de pas trop me perdre. Je vous dis ça mais je suis perdu. Ah si, c'était là-haut je crois, non? Ah ouais, je suis perdu. C'était pas là-haut là? Oh non, je me suis perdu. Ah, la magie de l'espace. La magie de l'espace. Je me suis perdu. Je viens de là. Et je cherche la petite porte d'entrée. Cadavre humain, 193 mètres. Donc c'est par là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais foutez-moi la paix, merde. Il y a des méduses maintenant dans l'espace. Incroyable. Il sort d'où, lui? Alors, va les esquiver, mon gars. Hop, direction la lune. Atelier. Ouais, donc moi, je viens de là. Je viens de là. Quoi? Mais attendez, je viens de là, mais de rien du tout. Oh. Atelier du docteur Calvino. Non, attendez. C'est légendaire ce qui se passe. Ah, si, voilà. Je viens de là, moi. Non, attendez. C'est une plaisanterie. Les gars, je viens de me paumer. Là, je peux pas y aller, là. Si, atelier. Et on rentre par où, là? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'adore. Je suis perdu. Verrouillé. Verrouillé. Docteur Lanzo. Mais je viens de là, moi. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Comme je me suis fait retourner, à mon avis, moi je viens de là. Voilà, je viens d'ici, moi. Oh, c'est déroutant. C'est déroutant. Voilà. Et donc après, je suis allé à droite. Voilà, c'est bon. Oh. Mais non. Mais regardez ce que je viens de trouver.
Mais non. C'était juste à côté. Et bah voilà mon gars. C'était juste à côté. Bon ça je peux pas réparer. Et là, messieurs, dames. Non, il n'y a pas sa carte. C'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire ça. Léon, ici le docteur Calvino. Ça va? Pas vraiment. Je ne me sens pas dans mon assiette. Je ne pense pas pouvoir prendre mon service. Très bien. Est-ce que vous voulez quand même que je finisse cette matrice? J'ai fabriqué des tonnes de verre. Une matrice? Je ne me souviens pas. Vous m'avez demandé de fabriquer une nouvelle matrice. Vous avez dû mal comprendre. Est-ce que... Honnêtement, je préférerais que vous laissiez mes expériences tranquilles en mon absence. Entendu. Écoutez, j'ai un message que vous m'avez laissé. Franchement, j'aurais pas fait tout ça si vous n'aviez pas... Non, non, bien sûr. Je me souviens maintenant. Pour l'instant, laissons. Aucune importance. Aucune importance? On en parlera demain. Nouveau transcribe. Léo, ici le docteur Calvino. Nouveau code. Je suppose que vous dormez ou que vous m'ignorez. Je voudrais juste... Je serai un peu en retard pour ma garde de demain. Mais dès demain matin, je voudrais que vous commenciez à construire une nouvelle matrice de micro-lentilles. L'ancienne ne vaut vraiment plus un clou. Prenez ce dont vous avez besoin à l'atelier mécanique. Et si ça fait râler Clive, prenez tout dans le casier quand il aura le dos tourné. Je ne suis pas censé connaître le code, mais je vous l'envoie quand même, au cas où. Du coup, je connais le code alors. Attendez. Je vais retourner au code là. Et non, je connais pas le code. Oh là là, c'est terrible. Qu'est-ce que je suis censé faire? Mais là, attendez, ce que je comprends pas, c'est que je suis dans le laboratoire là du frérot là, non? Attendez. Trouver la carte d'accès de l'atelier du docteur Calvino. Mais c'est pas lui qu'on vient de trouver là, le cadavre? Je vais devoir trouver un sas pour l'atteindre. Ça, c'est bon. Il se trouve dans le corridor qui dérive à l'extérieur de la station. Ok, faut que je trouve un corridor qui dérive. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Alors le corridor qui dérive. Alors va trouver un corridor toi. Un corridor qui dérive. Ça me donne mal au crâne de pas savoir. Y a pas d'endroit, y a pas d'envers, c'est incroyable. Atelier du docteur Calvino. Bah voilà. Alors ça c'était débile de ma part. Mais non, mais c'est de là que je viens, ça m'énerve. Brèche de la coque laboratoire technique. C'est là que je suis allé, docteur Calvino. Le corridor qui dérive. Zone d'accès aux navettes, station de recherche d'oxygène. Ah, j'ai besoin de toi, opérateur scientifique, tu tombes super bien. Parce que ma combinaison, là, je me suis fait de la D. Allez, aide-moi. Ah! Tu veux pas me réparer, non? Enfoiré. Docteur Calvino, mais c'est bien lui, là. Trouver la carte d'accès de l'atelier de Dr Calvino. Mais il est censé l'avoir sur son cadavre, c'est pas possible. Mais mec, t'as pas ta carte sur toi. Mais là, y'a un truc qui m'échappe avec toi. Oh purée. Elle était là, la carte d'accès. Vous l'avez trouvée. Rien d'étonnant. Beau travail. Ouais bah, heureusement que j'y suis retourné parce que je voyais pas faire autrement. Hein. Ok, on va pouvoir re-rentrer parce que là c'est un vrai enfer. Je pense même pour vous c'est un enfer. C'est, on doit rien comprendre. Ok. On va éviter de se cracher. Atelier du docteur Calvino. On va enfin pouvoir y aller. Mon dieu. C'est pas évident du tout. Mais c'est super intéressant, j'adore. Hop.
confirmé. Bon, toujours un petit peu dommage ces petites phases de chargement, mais en même temps, t'as vu comment c'est gigantesque. En vrai, c'est pas dérangeant pour un jeu en plus sorti en 2017. Donc, bon, c'est pas non plus déconnant. Vraiment top. Ok. Bon, ma santé n'est vraiment pas bonne, donc je vais préférer prendre les devants cette fois-ci. Hop, pour pouvoir manger des médocs. Et puis pour ce qui est de la combinaison, malheureusement... malheureusement, voilà quoi. Un modificateur d'âme programmable. Combiner cet objet avec une arme pour l'améliorer. Mais bien sûr. Tac, tac, tac. Puissance de feu, je peux toujours pas. Précision. Taille des chargeurs. Précision. Tout bon, la taille des chargeurs en vrai. C'est pas très dérangeant. Puis ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Hugo Psy. On l'embrasse, Hugo, bien sûr. Allez, direction l'atelier. Alors, d'ailleurs, si je voulais passer par là. Si je voulais passer par là, il me faudrait force physique. Donc, ça y est, messieurs, dames. On va se donner la force physique. C'est la moindre des choses. Et ça va nous être utile. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir déplacer enfin les grosses caisses. Alors. Voilà. Ça dégage. Et là, maintenant, je peux passer tranquille. Voilà. Et avant... Putain, maintenant, il y a un fantôme qui a spawn, sérieux. Avant d'y aller, je voulais aller là-bas parce qu'il y avait des trucs à déplacer aussi. Ok. Voilà. Ni vu ni connu. Il y avait des trucs à déplacer là. Qu'est-ce ? Ah, c'est ça. Je vais pouvoir, voilà, déplacer ça. Je viens de me prendre un dégât là ? Ah ouais, ça fait vraiment mal en fait. Note, le nouveau code est 1853. Coffre du département balistique. Let's go. J'ai bien fait. J'ai bien fait, je sais pas c'est... Je sais pas c'est... Département balistique. Ça a l'air de faire des dégâts ça. Y avait pas un coffre là ? Non. Département balistique, c'est où ça ? Attendez, carte. Non, je commence à comprendre. Département balistique, on voit ça où ? Département neuromode. Département balistique, c'est où ça ? D'accord. Département balistique. Labo balistique. What ? C'est là où je suis, quoi. Ah bah c'est le coffre là, mais non, mais j'ai déjà ouvert. J'avais déjà ouvert. Bon, je... Pourquoi pas. Bon, on va juste se faire le fantôme là qui a spawn, tu sais pas pourquoi. Voilà, cryogénisé. Un bon coup là, bien placé. Oh wesh. Voilà, tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Modificateur d'armes. Vous avez obtenu un modificateur d'armes. Mais on connaît ça, c'est ce qui permet d'améliorer les armes, bien sûr, tout à fait. A chaque fois j'ai l'impression que c'est un nouveau truc, alors voilà. Et après pour continuer d'améliorer, il faut armurier 1. Du coup, on va le faire maintenant. Ingénieur, armurier 1. Et je ne peux pas, parce qu'il m'en faut 4. Ah, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Allez. On y va les amis, l'atelier enfin du Calvino, ça régale. Nous y sommes. Et on arrive enfin à la console miroir, ça fait plaisir. Et je peux même porter les caisses maintenant. Ça comme dit c'est cool parce que regardez, il y a quelque chose ici. Oh, j'ai bien fait d'avoir fait ce neuro machin là. Kit de secours, et voilà. Impeccable. Rien d'autre ? Rien d'autre. Ok. Allez. On y va. Qu'est-ce que c'est encore ? Qu'est-ce que t'as vu encore ? Attends, je vais prendre une caisse sur moi. Comme ça, je vais lui balancer dans la figure. Mais non, mais viens. Il est où le truc là ? Monsieur ? Bah, y'a rien. Pourquoi il m'a dit qu'il y avait quelque chose ? Ah, d'accord. C'est ce truc là.
Ah bien, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ah, s'il y a des caisses, c'est pas pour rien, là. Bureau mobile. Ouais. Ça va, il va y avoir baston, il va y avoir baston. Allez, bon, attendez. Diagnostic. Vous savez, j'aime bien d'abord checker les trucs au cas où on doit s'enfuir, en fait. Voilà, tu vois, j'aime bien prendre tout ça. Hop, ça dégage. Oh. Recharge glu, c'est bon, ça. Ça peut exploser à tout moment. Bon. Et là, on a quoi encore? Attendez. Bougez pas. Parce que là, nous avons 3 emails. J'ai besoin que vous me fabriquiez une tasse de voyage qui pèse très exactement 170 grammes. Mes faibles mains ont besoin d'un contenant très léger pour mon café. J'ai besoin que vous modifiez une balance pour qu'elle envoie un signal quand elle est soumise à un poids de 170 grammes. Oh là 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 là. Lorenzo, pourquoi t'as besoin de 170 grammes toi? Oh là 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 là. Il demande à Alain une balance pour qu'elle envoie un signal lorsqu'elle est soumise à un poids de 170 grammes. Et il demande à l'autre une tasse de 170 grammes. Docteur Thorstein, j'ai bien fait de vous buter. Allez, console miroir, messieurs, dames. Je peux même pas l'activer, c'est excellent ça. Poste de travail. Eh. Ah, attendez, je suis bête. Toujours suivre le câble. Ah voilà, c'est là, il faut que j'appuie. Allumer. Voilà. Impeccable. Déconnecté. Lecture de la vidéo. Utilitaire réseau. Diagnostic. Putain, mais c'est incroyable. Allez, test phase 1. Connexion à l'autre impossible. Utilitaire réseau. Vérification de l'état du serveur. En ligne. Le deuxième serveur. En ligne. Le troisième. En ligne. Le quatrième. On n'a pas le choix, faut qu'on les fasse tous de toute façon. Ah, rétablissement de la connexion. Voilà, il fallait bien qu'il y ait un petit souci quand même. Connexion rétablie. Voilà. Bon travail, Morgan. Les écrans miroirs sont de nouveau en ligne. Retournez le plus vite possible à votre bureau. Vous devez absolument écouter la fin du message. Je vous retrouverai là-bas. Mais attends, d'abord, je veux voir cette vidéo-là. Oh, wow. Ça enregistre? La colorimétrie semble un peu chaude. Où est le photomètre? Le portable? Vous l'avez pris? Non. Hier, on en avait deux. Et aujourd'hui, on n'en a qu'un seul. On en a toujours eu un seul. C'est absurde. Vous avez oublié? Très bien. C'est une drôle de vidéo. Et puis la deuxième, c'est des tests en fait, hein, c'est ça. C'est le test de l'appareil en fait. Vous partez? Je croyais qu'on avait terminé. Bon, alors très bien. Éteignez-le. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Non, je crois... Vous avez raison, il se fait tard. Allez, allez vous coucher. Vous allez pas vous reposer? Me reposer? Ah, ne vous inquiétez pas, je vais terminer. Très bien, on se voit plus tard, je suppose. Oui, vous supposez. Pardon? Vous dites toujours « je suppose ». Ça a marché, je suppose. On se voit plus tard, je suppose. Vous êtes une scientifique, arrêtez de supposer. Affirmez. Ou taisez-vous. C'est tout. Bonne nuit, docteur Calvino. Ieron piscatore. C'est trop stylé. C'est vraiment le reflet, en fait, voilà, de... Ah, j'ai pas les mots, en fait. C'est excellent. Ah, la vidéo continue, c'est pas fini. Attendez. Attendez. Eh. Eh. La fa... Eh. Ce serait pas les 750 grammes, là? Je sais pas quoi, là. Eh. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qu'il a foutu? La vidéo est finie. Qu'est-ce qu'il a pu faire?
j'adore. Bon, bah va falloir qu'on retourne à notre bureau et qu'on aille voir du coup la suite de notre propre vidéo qui va nous rappeler nos souvenirs. Souvenez-vous. Voilà, j'espère que vous suivez jusqu'ici. C'est assez complexe et en même temps, bah, j'arrive à suivre. Donc c'est assez fort de ma part, hein, parce que j'ai toujours du mal en général à suivre ce genre d'histoire un peu complexe. Mais jusqu'ici, en vrai, ça passe crème. Donc c'est plutôt cool. Donc on va direction chez nous. J'espère juste que ça n'a pas respawn. Tour et la chaise. Très bien. A priori, ça n'a pas respawn. Franchement, si ça respawn, c'est chiant. Ok, ça c'est normal. Il y a un fantôme, bien sûr. On l'ignore, on court, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de l'affronter. Voilà, il n'y a pas besoin de l'affronter. Quand t'as pas besoin de les affronter, faut pas les affronter de toute façon. Ça c'est la règle, c'est un peu comme sur d'ailleurs Dead Island 2 si je puis me permettre. Donc voilà, allez c'est parti. Direction le bureau. Voilà, ça régale. Tout le personnel doit se rendre à son poste de travail pour la journée. Si vous devez vous absenter pour une raison quelconque, veuillez en informer votre superviseur immédiatement. Pas de problème. J'espère juste vraiment que ça n'a pas respawn. Oh, ça fait du bien de retourner au hub principal. Parce que là, on avait safe la zone, souvenez-vous. On avait vraiment bien... Oh, ça fait chier. On avait safe la zone. Pourquoi ça respawn? Ah, oh, c'est dommage. Ça respawn, sérieux. J'avais safe la zone. Ça me saoule. Oh, c'est embêtant. C'est embêtant. Voilà. Allez, hop. T'es sérieux là? C'est quoi ce machin là? Wesh, y'en a deux! Arrête! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ah non, là, foutez-moi la paix! Est-ce que je peux verrouiller? Arrête! Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, la seule issue, c'est la mort. Allez. Non. Ok. Oh la vache. Oh la vache. C'était quoi ça? Point d'interrogation. En fait c'est des monstres qu'on a encore jamais croisés. Heureusement que j'ai refait le plein de munitions de pistolet, hein, franchement. C'est des monstres qu'on a encore jamais croisés. Tu m'étonnes. Alors on peut pas verrouiller la porte malheureusement. Bon, manifestement ils ont pas l'intention de venir, donc ça va. Oh la vache. Oh, je vous jure, c'est terrible. Allez, un petit coup de recycleur avant de regarder la vidéo. S'ils veulent bien nous laisser regarder la vidéo, bien sûr. Tu sais quoi? Les pièces détachées, je vais les recycler parce que... Alors... Parce que pour le moment, ça ne me sert pas, dans tous les cas, mais... Les recharges glues, ça, c'est, je les garde, hein, mon ami. Hein. Là, faut pas non plus exagérer. Hein. Ressort rouillé, tuyau en plastique, gants de baseball... À chaque fois, je me trompe. Ah, c'est pareil, les hypopsies, là. Un psychostimulant qui, une fois injecté, augmente le potentiel psy. Mais j'ai toujours pas compris comment comment l'équiper. Hein. C'est ça me fume. Bon là, on a énormément de trucs, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, ça me paraît pas trop mal. C'est l'heure de recycler. C'est l'heure également de manger ici les tomates séchées. D'accord. Le mélange végétarien. Le café. Voilà. Là c'est plutôt chouette. Et ça du coup comment? Je peux pas l'équiper, je comprends pas. Ah si si. Ah purée, je suis bête. Et je pense que vous me le dites en commentaire depuis tout à l'heure. Ouah, tout ce que je récupère. J'ai capté en faisant la roue, il faut que j'appuie sur A. Regardez en haut à gauche. Erreur psy au maximum. D'accord, ok. Bon là je peux pas m'en mettre parce que je suis au maximum. Mais en gros c'est si je suis dans la galère, je peux l'utiliser. Ah ouais d'accord, ça change tout. Ça change absolument tout. Bon, ben les recharges, je suis bon. Juste au niveau du pistolet, en vrai, on peut largement se permettre de se faire plaisir. Très important, messieurs, dames. Alors, on a vraiment toutes les ressources nécessaires pour se faire kiffer. Donc, je me permets d'y aller franco. Il va pas par quatre chemins. Allez, un petit dernier encore. Et vous voyez que j'ai encore pas mal de ressources, hein.
Donc ça régale. Ok, et bah c'est parti, c'est l'heure de la vidéo, messieurs, dames. Ça risque d'être absolument complètement dingue. Utilitaire, Morgane. Cette vidéo miroir devrait éclaircir les choses. Vérifiez que personne n'est à proximité avant de lancer. On reprend. C'est parti. Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire. Tu dois détruire Talos One. Les recherches, les typhoons, rien ne doit survivre. Toi y compris. C'est insensé, je sais, mais tu as vu de quoi ces créatures sont capables. Elles font partie de toi maintenant. Si ne serait-ce qu'une cellule revenait sur Terre, ce serait la fin. Je suis désolé, j'aimerais qu'il y ait une autre solution. January peut t'expliquer comment activer le mécanisme d'autodestruction. Alex essayera de t'en empêcher. Il est allergique à l'échec. Il est bien trop fier pour entrer chez papa et maman à la queue entre les jambes. Tout repose sur toi. Bonne chance. Alors j'ai cassé... Je t'avais dit pas. Tu as raison, tu as raison. J'ai cassé sans faire exprès le truc. Et je viens de découvrir un truc de ouf. Ah, je peux pas. Non mais c'est incroyable, je viens de trouver un passage secret. À mon avis... Bonjour, Morgane. Je suis January 2035. Je suis un opérateur. Il y a beaucoup d'opérateurs à bord de Talos One. Mais je suis unique. Par ici. Et January, tu pouvais pas me le dire dès le début en fait qu'il fallait auto-détruire le machin? Ça nous aurait évité plein de problèmes en vrai. Je suis votre plan B. Ma première tâche était de vous extraire de la simulation. La seconde était de vous montrer la vidéo. Toutes deux sont accomplies. Intéressant. De nouvelles directives me sont maintenant disponibles. Le protocole d'autodestruction, le Talos One, s'active par deux clés d'armement. Votre frère possède la première. Et vous aviez la seconde. Alex a détruit votre clé d'armement. Mais vous avez caché son plan de fabrication dans le stockage. C'est là que vous devez vous rendre. Nous nous occuperons de la clé d'Alex plus tard. Les typhoons se propagent à toute vitesse, Morgane. Vous ferez la course contre eux. Et contre votre frère. Cette carte d'accès vous ouvrira l'ascenseur principal et tous les laboratoires. Oh, la dingue. Oh, merci mon gars. Ah ouais, non mais là. Je n'ai pas réussi à remettre l'ascenseur en marche. Mais vous pouvez passer par le laboratoire de Psychotronic. Morgane, c'est de ce laboratoire que le typhoon s'est échappé. Faites attention, je vous en prie. Sujet suivant. Vous m'avez demandé de vous fournir plus de neuromodes. C'est fait. Bonne chance, Morgane. Mec. Je chercherai d'autres neuromodes en votre absence. Oh, tu gères. Oh, tu gères. Ça veut dire clairement, ça va farm les neuromodes automatiquement. C'est impeccable. Tu m'as ouvert la carte, je suis bien content. Sauf que je suis censé aller où en fait? Détour, je dois me rendre dans le stockage. Ah oui, c'est ça. Un espace de traitement des données jouxtant l'arboretum. L'ascenseur principal est inaccessible, mais il existe un autre moyen d'accéder au niveau supérieur. Je vais d'abord devoir traverser le laboratoire de Psychotronic. Donc je dois rentrer dans le département Psychotronic et le grand hall de Talos. Par contre, ça me fait chier de pas avoir trouvé grand hall de Talos. Ah mais attendez, c'est au même endroit, donc on va quand même trouver Bellamy à mon avis. Traumatologie, Psychotronic. Psychotronic, faut que j'aille là, faut que j'aille là, d'accord. Actuellement je suis là. Attendez. Traumatologie. Eh, j'avais fouillé le service traumatologie, j'ai même pas trouvé le cadavre, la honte. Il est là-dedans le cadavre hein, traumatologie là, mince, Bellamy. Il est là hein, au niveau 2 hein. Moi je suis au niveau 3. Et il faudra que j'aille au niveau 1. Donc dans tous les cas on va descendre au niveau... Allez, on va y aller, on va y aller, c'est incroyable. Par contre, on va avoir de la compagnie avec nous là. Okay, c'est bon. Allez, on passe au niveau 2. Hop là. On y est. J'espère aussi que ça va pas respawn. Donc là, hein, si je ne m'abuse, carte, je suis dans le service traumatologie. Voilà, donc c'est ici que je suis censé trouver son cadavre de Bellamy. Alors déjà j'ai mal fouillé les coffres. Oh, il va être dans le bureau, c'est sûr. Je suis jamais allé là. Ah, voilà peut-être pourquoi je n'ai pas trouvé Bellamy. Ah.
bon flic, ouais, on a déjà fouillé tout ça en fait. Commencer le nouveau test. Ah, d'accord. C'est le test ici là. D'accord. Ouais, ouais. Bienvenue. Puis-je vous aider ? Oui, tout à fait. Diagnostic en cours. Merci. Bleu, écorchure, fatigue, rien de très grave. Essayez de vous détendre. Merci, voilà. Merci. Tout va bien. Vous pouvez remplir le questionnaire de satisfaction. Mais j'ai ma combinaison à faire aussi encore. Erreur, absence de kit de réparation de combinaison. Ah, c'est un raccourci pour réparer la combinaison. T'as depuis le début, j'aurais pu faire ça. Ah mais en fait, je viens de capter les raccourcis maintenant. Au bout du quatrième épisode, je commence à comprendre le jeu, ça régale. Ouais, bah oui, mais ça prend du temps à comprendre ce genre de jeu aussi. Hein. C'est ça qui fait le charme. Et je suis bien content de tourner les épisodes à l'avance, là, les premiers en tout cas les épisodes à l'avance. Comme ça, je suis pas spoil en vrai en commentaire. Parce que je sens que, et je vous comprendrai que vous allez râler hein, à mon avis, pour certaines de mes décisions. Réparer, réparation 2, je peux toujours pas ça, mais c'est pas grave. Ouais, bah du coup, je peux quand même pas... Non, ça c'est Lucia machin. Je ne peux quand même pas ouvrir ici. Bureau de Hendrik Devries. A mon avis, il est là-dedans, le gars. A mon avis, il est là-dedans. Eh, mais attendez, je suis bête, regardez. Ah non, je peux pas. Et en vrai. Mais si, attendez. En vrai, il y a moyen. Non ? Ah, j'y ai cru. Je suis sûr qu'il y a moyen. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Non ? En vrai, j'y crois, moi. Ah non, ça aurait été incroyable. Franchement, ça aurait été légendaire. Ça aurait été légendaire. Oh, merci. Déchets biologiques. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, on va passer au niveau 1 et on va s'en arrêter là pour cet épisode du coup. Pour aller vers le département psychotronique. Et il y a un fantôme là-bas. Il y a un fantôme là-bas qui fait sa petite vie tranquillou. Il a bien raison. 1960, 1900, 2020, 2030. Oh, j'avais même pas vu. Magnifique, notre John, Fitzgerald, Ken et Eddie. Ça régale, bref les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode et comme je l'ai dit... Ah. Comme je l'ai dit, vous avez vu, on revient en arrière souvent, on revient en avant, on revient en arrière, enfin c'est vraiment super cool. Alors attendez, avant de se quitter, s'il y avait moyen de lui fumer la gueule à lui là, ça me ferait très plaisir. Vraiment, ça me ferait très plaisir. Alors viens voir mon coco. Tu vas voir ce qui va t'arriver mon gars. Ah ouais, d'accord. Ouais d'accord. Ouais. Bon d'accord, allez allez allez. C'est bon j'ai compris. C'est immortel ce truc. Je pense que ça c'est immortel ou en tout cas à l'heure d'aujourd'hui c'est impossible de... Je chercherai d'autres neuromodes en votre absence. Impossible de les attaquer. Bref les amis, vous l'avez compris, on va se quitter là et on va aller au département psychotronique dans le prochain épisode. N'oubliez pas le pouce bleu, c'était Mkolo et à très vite. Ciao tout le monde. T'as kiffé cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.